Salut tout le monde, voilà, je vous présente une petite clé USB qui capture les écrans, qui capture ou qui fait des vidéos sur Switch. Alors ça va durer plus longtemps que la Switch qui peut faire que 30S, c'est petit. Le but c'est justement d'expliquer la vidéo que vous pouvez faire sur votre téléphone. Alors vous devez brancher votre clé avec un adaptateur qui est fourni, qui peut vous brancher en type C bien sûr pour le téléphone, vers la USB. Et la USB va se brancher en fait sur, bien sûr il faut posséder le petit boîtier justement de la Switch pour vous connecter comme si vous connaissez sur la télé. Derrière il y a un câble d'HDMI, vous le laissez, le câble HDMI sur la Switch. Vous avez vu ça brancher, débrancher sur la télé pour le brancher direct à la clé USB qui fait aussi HDMI. Je vais vous montrer tout de suite, on peut faire des captures d'écran justement. Bon, les captures vous pouvez les faire sur Switch sans besoin d'utiliser la clé, parce que ça sert que pour les vidéos longue durée. Parce que une vidéo ça dure souvent 30S sur Nintendo Switch quand vous faites une 4 vidéo. Que là ça dure pendant plus que tant que vous jouez, bah, ça dure une demi-heure, une heure, même plus. Il faut montrer les petites manip justement que vous pouvez faire les captures, mais le plus c'est pour faire des vidéos. Alors j'explique aussi que vous aurez aussi une application à télécharger sur votre téléphone. Là, vous pouvez payer aussi le mode pro. Ça permet en fait si vous voulez d'avoir l'application que j'ai marqué le nom de l'application qui va aller direct quand vous faites un enregistrement, ça va aller direct dans votre galerie de votre téléphone. Voilà, merci d'avoir regardé la petite vidéo de Monster Hunter.